merveilleux. Quand tu m'as dit qu'il t'avait invité pour le week-end, j'aurais presque embrassé, tu vois. Oui, il avait l'air de tenir à ce que je vienne. Mais moi aussi. Oh, j'espère qu'on arrivera à se retrouver un peu sort, rien que toi et moi. Oui, on verra, mais faudra faire très attention. Mais oui. Et surtout, pour la prudence. Mais non, ne t'inquiète pas. Tiens, regarde, je nous ai préparé cette chambre-là. Ah. Oh, mais tiens, le voilà. Déjà. Valable
pour lui refuser de quitter Paris ce week-end, je t'ai invité pour que Brigitte ne soit pas seule le jour de son anniversaire. Brigitte? Oui, c'est le nom de ma... Enfin, c'est son nom, ouais. Oui, d'accord, mais je vois pas quel rapport il y a avec moi. Eh bien, c'est ça. Je t'ai invité pour qu'elle puisse venir ici. Parce qu'elle va venir? Ben, naturellement. Ben, tu manques pas de culot. Faire venir ta maître chez toi. Ah non, non, attends, tu n'es pas. Ce n'est pas moi qui l'ai fait venir, c'est toi. Quoi? Mais oui, comme je ne pouvais pas l'inviter moi-même, c'est toi qui seras censé l'avoir amené. Ah non, non, impossible. Oui. Et à quel titre? Eh ben, je la ferai passer pour ta maîtresse. Ah non! Comment non? Parce que non! Pourquoi? Comment, pourquoi? Mais non, ça ne va pas! Mais si, ça va très bien! Ah non, non, ça ne peut pas aller! Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Mais enfin, réfléchis une seconde. Vis-à-vis de Jacqueline, enfin, je veux dire. J'aurais l'air de quoi? Mais de rien. T'as le droit d'avoir une copine et de venir avec elle. Non, justement. J'ai pas de copine. Oh, ça, c'est ma copine. Après tout, t'as une vie privée, n'est-ce pas? Eh ben, elle ne regarde que moi. Eh bien, justement, ça m'arrange très bien. Comment ça? Eh bien oui, comme personne ne connaît tes copines, quand je dis personne, je pense à Jacqueline et à moi, elle ne pourra jamais supposer que Brigitte n'est pas réellement ta maîtresse. C'est du béton! Oui, bah béton ou pas, je ne marche pas. Mais pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Pourquoi? Mais arrêtez, c'est pourquoi que tu dis? C'est assommant. Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi tu refuses de me rendre ce service. Parce que c'est ça. Mais pourquoi? J'en ai marre de dire pourquoi. Et puis réfléchis une seconde. Ça ne tient pas de... Mais si, tout à fait. Non. Mais pourquoi? Parce que j'aurais pu... si j'avais une copine, on aurait dû arriver ensemble ici. Mais bien non, justement. Je vais prendre le train à Brigitte pour que tu sois là avant et que je puisse te mettre au courant. C'est très bien organisé. Mais bah, j'aurais pu tomber en panne. Oui, mais tu es là. Allez, mais je pense tout à coup que je peux pas rester. Mais pourquoi? Mais pourquoi, Brigitte? Pourquoi? Parce que c'est une manie. Ne t'énerve pas. Mais je ne m'énerve pas. Je vais te le dire pourquoi. Ah. C'est parce que j'ai un vent de... Qui quoi? C'est bon, toi, tu travailles dans les assurances. Tu ne connais rien aux ascenseurs, c'est même pas la peine que je fais. Mais c'est justement, c'est l'occasion de m'instruire. Alors, ton vendeur, qu'est-ce qu'il t'a fait? Eh ben voilà, il m'a vendu trois cabines, voilà, à prix plancher, là, voilà. Et alors, il a joué sur les mots, et il me les a vendus, voilà, sans les côtés. Et alors, comme il n'y a pas de côté, on ne peut pas poser les boutons, ça ne marche pas, tu comprends? Oui, mais je comprends très bien. Ah, j'étais tellement content de ton invitation que cette histoire m'était complètement sortie de l'esprit. Oui, c'est très embêtant. Il faut que je rentre d'heure à Paris, moi. Oui, très embêtant. Tu sais, c'est comme dans tous les métiers. Hein. Oui. Il y a des hauts et des bas, hein. Surtout dans les ascenseurs. Bon, je vais chercher ma valise. Non, je dis que c'est très embêtant, parce que si c'est ça, je serais quand même obligé de dire à Jacqueline que Brigitte est à ma maîtresse. Oui, ben dis-lui ce que tu veux, débrouille-toi. Mais je t'interdis de lui parler de ta maîtresse, voilà. Mais ne pars pas, alors. Puisque de toute façon, c'est ce que je dirais. Comme je ne peux rien dire d'autre, c'est l'évidence. Il n'y a pas d'évidence, puisque c'est faux. Mais naturellement que c'est faux. Mais puisque tout est combiné pour que ça ait l'air vrai, je ne peux rien changer. Eh bien, je ne marche pas. Mais tu ne marches pas, c'est bon. Oh, mes enfants, nous n'avons plus rien. C'est terrible, ces maisons qu'on n'habite pas tout le temps. Quand on arrive, on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses qui manquent. C'est inutile de vous fatiguer pour moi, puisque je pars. Comment? Oui, figure-toi qu'il veut s'en aller. Mais pourquoi? J'étais justement en train de lui expliquer que j'avais une affaire embêtante à régler avec un vendeur. Et il faut que je rentre. Enfin, c'est complètement ridicule, ça. C'est ce que je lui ai dit. Oh, on était tellement contents que vous soyez là. Allez. Toi, tu lui as dit quelque chose qui l'a vexé. Moi? Mais pas du tout. Je l'adore. Eh ben alors, oubliez votre vendeur et restez. Absolument impossible. Ah, vous ne pourrez pas faire ça. J'ai préparé un merveilleux petit dîner pour trois. Non, pour quatre. Oui, en fait, c'est pour trois, mais vous pourrez manger comme quatre. Ah, hein, mais non, mais non. Mais ne t'inquiète pas, nous allons acheter tout ce qu'il faut, il y aura assez. Mais pourquoi, il a peur de manquer? Non, mais nous allons avoir de l'appétit comme quatre. Comment le sais-tu? Eh bien, voilà. C'est une idée de lui raconter tout ça parce que je pars. Le dîner, que tu sois là ou pas, ça ne changerait rien. Mais en fait, de quoi parlez-vous, là? Eh bien, il a eu subitement des scrupules. Mais non!
veut s'en aller. Mais non! Tu comprends? Pas bien, non. À peine arrivé, il veut s'en aller. Et il est gêné. Gêné de quoi? Mais de rien! Gêné de m'avoir dit la vérité sur sa vie intime. Comment? Mais écoutez pas ce qu'il est déjà créé. Mais si, il m'a avoué sa liaison. Tranquillement, le temps que nous on va aller faire les courses.
Ben, j'aime autant vous accompagner. Non, non, il vaut mieux que tu restes là. Des fois que ta copine aurait pris le train de 18h05 au lieu de celui-ci. Il vaut mieux que quelqu'un reste là pour lui ouvrir, n'est-ce pas? Bon, tu es prête? Oui, je vais chercher ma liste. Oui. Eh bien, tu vois, ça s'est passé comme une lettre à la pause. Ah, tu trouves? Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi elle s'énervait comme ça. Bah, c'est une contrariété pour une maîtresse de maison. Quoi? D'apprendre qu'on sera quatre au lieu de trois? Je sais, tu me l'as déjà dit. Bon, je compte sur toi pour jouer ton rôle comme il faut auprès de Brigitte, hein. Oui. Oui, 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 oui. Et... Voilà. Je suis prête. Mais tu sais, tu peux très bien rester avec lui, hein. Je peux y aller sans toi, si tu veux. Non, 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 je vais t'accompagner, ça ira plus vite. Mais il me semble que... Il faudrait peut-être prendre des affaires supplémentaires. J'avais encore une petite explication. On revient là. Ah, tout à l'heure. Écoute, il faut que je t'explique quelque chose rapidement. Oui. Brigitte, en fait, elle a pris le train de 18h05. Ah, d'accord. Oui, 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 oui. Et comme ça, le temps qu'on sera au village, je pourrais retenir Jacqueline plus longtemps, comme ça tu auras le temps de faire connaissance avec Brigitte. Ah, Brigitte, oui, oui, oui. D'accord, d'accord, bon, d'accord. Allez, trop content. Ça y est? Oui, 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 je te décolle. Hein? Bon, allez, à tout à l'heure. Mais si il vient avec moi, il va faire quoi lui tout seul? Et qu'elle va téléphoner à Paris pour arranger son histoire de vendeur, puisque maintenant il ne part plus, hein, mon vieux? Allez, oui, oui, voilà, voilà, c'est ça. Allez, ça va, tout à l'heure. Allez, tu viens? Allez, j'arrive. Toi, tu sais, j'aurais deux mots à te dire. Pourquoi? Tu te fiches de moi? Jacqueline! Ah, rien du tout! Jacqueline! Jacqueline! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Chez nous, n'est-ce pas? Ah bah ça oui, évidemment. Il vaudrait mieux de rien.
bien coucher avant qu'il revienne. On va pas comme vous voudrez. Mais en attendant, je pourrai en profiter pour mes contenus. En tenue? Eh ben oui, on y travaille, quoi. Est-ce que je peux me déshabiller? Vous déshabiller? Ben oui, je n'ai pas apporté mes affaires pour rien. Vous imaginez tout même pas? Je vais tout faire avec vos amis propres. Oui, parce que c'est pas la peine de vous déshabiller maintenant. Enfin, je veux dire, de faire le simulacre aussi vite. De faire le enfin, de pousser les apparences aussi loin. Quelles apparences? Il faudrait d'abord que vous sachiez qui je suis. Ben oui, vous êtes l'ami du patron. Non, enfin, il y a tout le reste. Quel reste? Ce que je ferai, où je vis, comment je vis. Ah, parce qu'il faut que je sache où sont. Qu'est-ce que Bernard vous a dit? Le patron? Oui, le patron, si vous voulez. Oh, c'est pas si je veux, hein. J'appelle comme ça parce que c'est lui qui commande. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit de moi? Bernard? Ah, pas rien du tout. Vous avouerez que vous me un peu léger quand vous ne vous êtes pas donné plus de précision. Oh, bon, vous savez, ça s'est décidé très vite. J'avais juste une piqûre. Oui, moi-même, j'ai été avec lui pour arriver il n'y a qu'un quart d'heure. Et pourtant, il faudrait que nous ayons l'air de bien nous connaître. Ah bon? Bon, vous pourrez commencer tout de suite à se tutoyer. Ah bon, vous croyez? Alors, je suis dans les ascenseurs, j'habite rue de Courcelles, j'ai une 505, et j'ai 35 ans. Oh, on dirait moi. Ah bon, vous êtes combien? On peut au moins 45 ans. Parce que je me suis fait opérer de la bandicite. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Tutu. Bah, tu dois moi. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, que j'ai été opéré ou tout le bazar? Là, on les connaît quand on couche ensemble. Quand on couche ensemble? Ah oui. Mais quand ils couchent tous les deux. L'essentiel, c'est que ça paraît vraisemblable. Qu'on ne soit pas dans la même chambre, dans la chambre soi-disant amant. Soi-disant amant? On te l'a dit. Ah non, ça ne m'a rien dit du tout. En somme, si je comprends bien, tu n'es au courant de rien. Ah si, je dis que c'est logé, nourri, 500 francs par jour. Ah, parce que tu me fais payer. C'est convenu comme ça, d'accord, on dirait ça. Ah non, on est avant. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Bah, faire semblant d'être ma maîtresse. Oui, c'est bien suffisant. Oh, bah, si c'est seulement semblant, bah, c'est l'air drôlement branché. Oui. Coincé. Pourquoi? Bah, c'est-à-dire que je peux pas te le dire. Je ne sais pas du tout comment je me sens. Qu'est-ce qu'il faudra que je dise? Je ne dis rien de toi. Et si on te pose une question, répète exactement ce que je te dis. Un poisson. Bon, alors c'est d'accord. Bon. Pour un Pascal. Un quoi? Le nom de Pascal, quoi? Quelle image? Eh ben, 500 francs, plus du forfait prévu pour marcher dans ta commune. Ah bah on peut dire que tu es drôlement désintéressé. Vivre, non? Oui, mais enfin, à ce point-là. Quoi, à ce point-là? C'est bon, tu les auras. C'est sûr, hein? Mais oui. Oh là là là, j'ai jamais vu quelqu'un de pareil, moi. Et voilà, les gars. Assieds-toi là, et ayons l'air de bien nous connaître. Oui, je sais qu'on est censé avoir une vie sexuelle. Je vous supplie de l'excuser. Oui, mais en tout cas, elle est expansive. Ah oui, madame, c'est ma nature.
Bon, il faudrait que peut-être que quelqu'un s'occupe de ces paquets, hein. Eh bien, donnez-les moi. Non, laissez ça. Non, mais, oui. Laissez-moi vous aider. Ah bah moi aussi, je vais aider. J'ai dit non. Non. Vraiment, vous ne voulez pas? Non. Voilà, vous qui êtes-vous? Moi? Oui, vous. Comment ça, tu ne sais pas qui c'est? Eh bien sûr que non. T'as pas vu tous mes signes? Bah si, j'ai bien vu que tu t'agitais là, mais évidemment, c'était pour elle. Alors, qui est-ce? Eh bien, justement, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Mais c'est moi. Taisez-vous. Qui êtes-vous? Eh bien, ça m'intéresse, hein. Je vous interdis de vous foutre de moi. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je peux le lui dire. Mais bon, ça vous a répondu, non? Oui, réponds. Pour la bonne, c'est clair. Bon. Voilà. Et vous, Lucien.
très bonne. Ah ouais. Et ça t'a pas étonné qu'elle soit au courant de rien? J'ai pensé que tu n'avais pas eu le temps de lui donner tous ces détails. Ah, et tu t'en es chargé. Tu m'as demandé de faire connaissance. J'ai fait ce que j'ai pu. Ah oui. Et puis ça, il faut reconnaître qu'elle a mis le paquet. Elle a quand même exigé 500 francs pour la lettre. Et ça t'a pas fait tiquer non plus qu'elle te demande de l'argent. Mais maintenant, tout le monde en demande. Et puis c'est un peu normal de donner à ton âme. Oh, ah bah merci, j'ai mieux entendu. Total, maintenant, ta femme pense plus que j'avais pu. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me gêne. Oui. Et si on lui disait qu'on lui avait fait une blague? Mais jamais de la vie! Après tout nous simuler, elle ne pourra jamais avaler ça! Maintenant, on ne peut plus reculer! On y est! On y est! Voilà, j'ai fini d'installer votre ami. Ah bah oui, j'aime mieux être seule, hein. Je sais lire! Au fait, toujours pas de faire de ménage? Ah, toujours pas! Bah, vous ne pouviez pas le savoir puisque vous étiez avec moi. Oui, mais comme il dit toujours pas. Vous dites toujours pas. Voilà, c'est ça, comme oui, ça. Pour suivre. Oui, voilà, je vous suis. Oui, je vois. Bon, eh ben, je vais commencer à aller préparer le dîner. Oui, elle va aller avec vous, n'est-ce pas? Oh, bah oui, bah, c'est vraiment mon affaire, hein. Comment ça? Elle veut dire que ça lui ferait plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Oui, de vous aider. Oui, de vous aider. Mais comme tu n'as pas encore de femme de ménage, voilà ça. Comme vous n'avez toujours pas de femme de ménage. Comme ça, je serai votre femme de ménage. Oui, voilà, oui, voilà. Oui, voilà. Elle veut dire si vous aviez un tablier à lui prêter. Un tablier? Oui, un tablier. Oh, non, j'ai un tablier là. Oui, là-bas, là-bas. Oui, parce que là-bas, c'est Paris, quoi. Oui, Paris. Oui, là-bas, à Paris, quoi. Là-bas, c'est là-bas, ici, j'ai. Oui, elle a un tablier à Paris. Un tablier qui vaut dans les 500 francs. 500 francs? Oh, mais c'est sûrement un tablier de théâtre, n'est-ce pas? Mais c'est justement pour ne pas perdre les 500 francs. Qui est le prix d'un tablier de théâtre, n'est-ce pas? Que la pauvre mère rendait ce tablier de Paris. Oui, voilà, c'est pour ça. Voilà, enfin bref. Comme elle n'a pas de tablier, eh ben elle n'a pas de tablier. Oui, bah si c'est que ça, je vais lui prêter un tablier. Oui. Bah alors, avec un tablier, bah si, il est grand, bah ça ira. Mais oui, immense. Allez, venez. C'est par ici. Oh, la belle cuisine. Oh, elle est super. Il manque quelle classe. Mais félicitations. Vous avez un goût. Ça y est. Maintenant, je suis la bande de la veuve. Tu as tout fait pour ça? On a sonné. Oui, j'ai entendu. Bah, qui est-ce? Mais qui veux-tu que ça soit? Oh, mon trésor, tu es là. Mais non, non, c'est pas ça n'est pas lui, Robert? Si, mais comme la femme n'est pas là. Ah bon? Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Madame. Oh, mon amour, que je suis heureuse. Ma femme n'est pas là, mais elle est à côté. Ah bon? Brigitte Labonne. Oui, ben ça va, j'ai compris. Mais comment ça se fait que tu n'arrives que maintenant? Ben, j'ai raté le train. Ah, alors tout est changé. Comment ça va? Ben, je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais tu n'es plus soi-disant sa maîtresse. Ah non? Non. Ben, qu'est-ce que je suis alors? Eh bien, tu es là. Oh, ben vous voilà enfin, vous. Mais madame, vous avez vu l'heure? Elle a raté l'autobus. Bah oui, mais enfin, vous deviez arriver beaucoup plus tôt d'après l'agence. L'agence? Oui, le bureau de placement. Le bureau de... Oui, mais enfin, ça revient au même. Ne t'énerve pas. Elle est arrivée. Hein. Je suis désolée. Mais nous sommes enchantés que vous soyez là. N'est-ce pas, Chine? Oui, bon, ça va bien. Oh, dis donc, c'est à vous, ça? Non, c'est à Brigitte. Hein? Oui, c'est à Brigitte. Oui, parce que l'ami de monsieur... s'appelle aussi Brigitte. Oui, elle s'appelle aussi Brigitte. Bah oui, mais je ne l'avais pas vue tout à l'heure, ce manteau. Oui, bah, c'est qu'il était tombé là derrière. Ah, mon Dieu, oui. Il m'avait semblé qu'elle l'avait posé là en arrivant. Oui, alors il a glissé, quoi. Et... bah, évidemment, puisque tu viens de le ramasser. Oui. Oh, il est très beau. Oh, c'est du gros écureuil de palétuvier. Et il y a de chez Golden Boom et Golden Boom. Oui, 35 000 francs. Comment? C'est le prix qu'il a payé. Ah, oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Oui. Quand vous faites des cadeaux, vous ne vous moquez pas du monde. Ah, il est très généreux. C'est une de ses principales qualités. Ah bon, je t'en prie. J'ai cru une seconde qu'il était à vous. Eh ben non, malheureusement pas. Putain, tiens.
artichaut. Eh ben, vous ne faites plus rien, la femme de ménage est arrivée. La femme de ménage. Ben, oui, vous voyez bien qu'elle est là. Mais... Alors, donnez-lui votre tablier. Que je lui donne mon... Oui. Allez. Hop. Tenez, mettez-le. Oh, ne discutez pas et filez à la cuisine. À la cuisine? Ah oui, enfin, voyons, c'est pas le moment de passer l'aspirateur. Aspirateur. Oh, mais non, alors, vous garnissez les fonds d'artichaut et il faut surveiller le gratin. Le gratin? Oui. Dès qu'il sera prêt, il faudra s'occuper du soufflet. Du soufflet? Vous savez si ça l'embête, moi je peux aussi bien rester en cuisine. Mais non, on ne va pas s'en passer à trois là-dedans. Allez plutôt ranger votre manteau dans votre chambre. Mon manteau? Oui, ton écureuil. De quoi l'étudier qui traînait par terre. Oui, voyons, ce n'est pas besoin. Mais on est contre un front. Qu'est-ce qu'on dit? Votre chambre est là. Oui, vous allez voir. Vous allez voir, c'est charmant, charmant. Voilà. Ah ben, j'ai mis sur un cintre pour pas que ça le bime. C'est bien. Bien. Au fait, comment vous appelez-vous? Brigitte. Ah, oui. C'est vrai. C'est là. Bon, c'est pas en restant assis là que le dîner va avancer, hein.
Oui, au théâtre, pour elle, un homme, c'est le patron. Ah, oui, le patron, toujours le patron. Oui, oui, d'abord. Oui, oui, oui. Ah, car le patron, c'était le patron, il a payé les frais. Quoi, enfin, si elle était femme de ménage, enfin, si elle connaissait la condition de femme de ménage, elle en parlait sûrement autrement, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai que ce genre de travail... Oh, c'est bien, hein? On gratte sur les commissions, on fouille partout, on emporte une peur pour chez soi. Ah, oui, ça ne fait pas. Ce sont ces rôles qui sont comme ça. Oh oui, mais en réalité, c'est sûrement moins rigolo. Ah oui, ça vraiment beaucoup moins. Parce que moi, si je pouvais être autre chose, croyez-moi... Oh bah vous, vous n'avez pas l'air d'aimer votre métier. Ah non, ça, vraiment pas du tout. Oh, je suppose que vous êtes devenue femme de ménage suite à un concours de circonstances. Comme qui dirait un coup de bol, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Non, c'est inutile. Ouais, complètement inutile. Allez, vous nous racontez votre vie tout à l'heure. Oui, bah ce sera avec plaisir. Oui, mais... Il y a plusurs gens. Ouais, lui, je vais m'occuper en cuisine. Quoi? Mais c'est, si elle le dit, c'est qu'elle en a envie. Bon, bah c'est sûr que l'histoire m'a pris du rôle. Hein. Ouais, bah moi, j'ai pas confiance. Je vais quand même aller surveiller mon foufou. Hein. Je pense que tu es content. Bah, écoute, ma chérie, vraiment... Je te préviens tout de suite, je supporterai pas longtemps cette situation. Ouais, il est certain qu'à cause de toi, maintenant, on est dans la... Ça y est, c'est de la faute. Mais parfaitement, si vous ne m'aviez pas prise pour l'autre... C'est à cause de votre imbécile, là. Qui m'a pourtant dit qu'elle allait arriver? Bon, enfin, vous n'auriez pas dû confondre. Oui, bah ça va, vous m'énervez à la fin. J'ai confondu. Ouais, remarque, il a confondu. Il a des excuses. Oui, bah excuse ou pas, maintenant, c'est moi qui suis bien embêtée. Pourquoi? Parce que t'as l'air d'être la femme de Mélane. Oui, ça non, mais... je réalise que je n'aurais pas dû venir ici. Mais alors? Tu n'es pas contente d'être avec moi? Si, mais... C'est assez moche pour ta femme. Alors, je suis là, oui, mais si on ne peut pas te voir... Mais ça va s'arranger. S'arranger, mais comment? Je ne sais pas, mais je vais te trouver. Oui, ouais. Oui, voilà. Alors quoi? Tu es content d'être...
Mais oui, mais oui. Alors embrasse-moi. Mais voyons pas maintenant. Ça ne te dérange pas, j'espère. Moi, pensez-vous? Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Eh ben, tu vois, puisque ça ne la dérange pas, il n'y a pas besoin de se gêner. Bah si, moi, ça me gêne. Oh là là, tes manières. Dites donc, il me semble que... Ah oui, ça, c'est les queues de champignons qui gratinent. Ça sent la forêt. Bon, je vous laisse avec ma nièce. Tu peux être tranquille. Ton
connaître que sa nièce. Ah bon? Oui, je sais que vous avez l'air d'être sa maîtresse pour jouer les paravents. Les paravents? Oui, et c'est très gentil à vous d'avoir accepté ce rôle. De paravent? Oui. Ça fait c'est la première fois que je joue un paravent. Hein. je sais, mais vous les jouez très bien. Oh ben, je suis bien contente que ça vous plaise. Ben oui, et comme il n'y a que moi qui sais que vous êtes sa nièce, personne ne se doutera que Robert n'est pas votre amant puisque vous êtes sa maîtresse en paravent. C'est évident. Ah, oh, ben ça, oui, c'est évident. Alors, paravent vous êtes? Et je reste paravent. Voilà. Voilà les serviettes, madame. Et vous ne devinerez jamais où elles étaient. Ah non, mais l'essentiel, c'est que vous les ayez. Hein? Et comment ça va, la cuisine? Non, ça suit son cours. Bien, parfait. Alors, qu'est-ce qui manque ici? Voyons voir. Ah, les verres. Vous savez où ils sont? Ah non. Non, mais en cherchant bien, on va les trouver. Bon, ben, je vous laisse vous en occuper. Hein? Vous finissez d'arranger ça avec elle. Bien, madame. Moi, je vais passer une robe. Dites donc, je ne vais pas continuer à prendre votre place. Oh, ben, c'est vous qui prenez la mienne. Comment? Eh ben, est-ce que c'est vous la femme de ménage qui pourrait y en avoir deux? Non, mais c'est vous qui l'êtes vraiment. Oh, vraiment, vraiment? Vite, vite, hein. Enfin, c'est la vérité. La vérité. Il n'y a que les initiés qui la connaissent. Et si personne ne veut la voir, la vérité, il n'y en a plus. Enfin, à quoi est-ce que ça vous sert de ne pas vouloir redevenir la femme de ménage? Oh, ben, ça me sert à gagner gentiment ma vie. Ça n'allait pas m'en empêcher, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui, oui, ça roule. Oh ben non, elle ne peut pas prendre sa place de femme de ménage. Mais enfin, elle ne peut pas, voyons. Ça aurait l'air de quoi? Eh ben oui, c'est un plancher comme ça. Oui, ben c'est très mal planché. C'est vrai que c'est un peu le pastis. Hein. Oui, bon, écoute, ça va s'arranger, et s'arranger tout de suite. Bon, vous, je vais vous poser une question, et vous allez répondre par oui ou par non. Ce sont des questions aussi bêtes qu'à la télé. Non, moins. C'est moi qui ne saurais répondre. Vous pourrez. Ah ben si je gagne, qu'est-ce que je gagne? Pas un paquet de lessive, parce que je vous dis... Ça, j'en prends. En plus, ça. Oui, bon. Est-ce que vous êtes d'accord d'aller coucher dans la chambre à côté de la cuisine? Oh bah pour ça, sans prendre, tout le monde y va. Bon, vous échangerez les chambres plus tard. Mais pense un mot à la patronne. Bah pourquoi? Mais parce que ce n'est pas normal que la femme de ménage aille coucher dans la chambre d'amis qui est là, et vous qui êtes là. Oh, et puis c'est trop compliqué pour vous. Bon, et ici, c'est fini? Non, il manque les verres. Eh bien alors? Ah bah alors c'est elle qui va le chercher ou c'est moi? Mais c'est vous! Alors je suis de nouveau la femme de ménage? Non, vous êtes l'invitée qui aidait au ménage! Parce que la femme de ménage, c'est moi. Bon, bah je vous l'avais bien dit, hein, mais vous n'avez pas voulu me croire. Elle a fini par être mise, hein. Mais oui, mais oui. Où est-ce que je vais trouver des verres dans ce garage en ferraille? Eh bien... Tu t'es débrouillée pour que je reste avec vous toute la soirée? Pas encore, mais je vais te faire. Oh, j'ai l'impression que je ne te fais plus. Mais non, voyons, mais écoute, mets-toi à ma place. Pour moi, c'est pas commode, tout ça. Bernard! Comment qu'est-ce qu'il y a? Elle me marche sur le pied! Enfin, vous ne pouvez pas faire attention, vous? Oh, et puis ne restez pas portée là, c'est quand même pas à Brigitte de s'occuper des verres. Bon, bon, j'y vais. Bon, ça va quand même? Ah oui, oui, ça va, ça va. Et toi? Ben, moi, ça va bien, oui. Bon, ben, si ça va alors, hein? Voilà, je suis prêt. Oh, eh bien, vous êtes... Super, hein? Ah, oui. Tourne un peu pour voir. Oh, je t'en prie. Oh, ben, vous aussi, vous êtes très, très, enfin. Très, très. Oui, hein, je dois dire, hein. Enfin, n'est-ce pas? C'est très, très, enfin. C'est très, très bien, quoi, hein? Ouais, je vais voir ce qui se passe en cuisine. Oui, c'est ça. Et donc, ouais. Il faut que tu perçoives Jacqueline d'inviter Brigitte à dîner avec nous. Je ne sais pas, moi, mais je ne peux pas la laisser moisir à l'office pendant que la femme de ménage va s'enfuir avec nous. Tu peux voir quelques commissions quand même. Mais non, je préfère que ça soit ça, ça paraîtra plus normal vis-à-vis de Jacqueline. Bah, tu la trouveras à côté un peu léger, oui. Oui, mais écoute, on fait avec les moyens du bord, hein. Dis-moi, Bernard, tu as pensé au vin? Ah bon, bon, j'avais quand même envie. J'y vais tout de suite. Alors comme ça, je te plais. Oui, oui, beaucoup. Tu es vraiment...
très très belle. Vraiment? Oui, tu as un charme fou. Tu es vraiment très excitante. Tu trouves? Et cette robe épouse ton corps. Oh, comme tu voudrais le faire. Oui, on dirait qu'elle te déshabille. Oh, comme tu voudrais le faire. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien vrai tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça veut dire que tu es le plus beau menteur que je connaisse. Ben, qu'est-ce que c'est que cette idée? Et ça? Est-ce que c'est ça que tu appelles des idées? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, non. On regarde, on ne touche pas. Je ne vois pas ce que c'est. Ça, c'est un panneau de chèque que je viens d'arracher du carnet de Bernard qui était sous un fauteuil. Le carnet a dû tomber de sa poche. Probablement. Le principal, c'est que tu l'as trouvé. Oui, n'est-ce pas? Heureusement que je l'ai retrouvé. Et puis, de toute façon, dans votre chambre, il n'était pas perdu. Non, bien sûr. Et c'est quand même bien parce qu'il vient de me faire faire une découverte extraordinaire. Une découverte? Ouais. Figure-toi que ce talon numéro 321-100-00005, daté d'il y a 8 jours, porte la somme de 35 000 francs à l'ordre de la maison Goldenbaum et Goldenbaum. Ce qui correspond, d'une part, à la somme payée pour le manteau de ta nièce et d'autre part à la griffe cousue dans ce même manteau. À la griffe cousue? Oui, crois-tu? Et au même prix? Oui, crois-tu? C'est une coïncidence. Ah, ça, oui, alors. Oui, c'est inouï. Ah, je dirais même fabuleux. Ah, fabuleux, c'est beau. Oui, dans le calcul des probabilités, il y a une chance sur un million pour une pareille rencontre. Je ne te le fais pas dire. Donc, comme ça ne peut pas être le hasard, c'est forcément la réalité. Voilà, ça y est, il est chambré. C'était pas tant. Eh bien, c'était... Très bien, oui. Très bien. Vous en faites une tête tous les deux? Non, pas du tout. Non, c'est pas la tête. Non, pas la tienne, hein. Oui, puis moi j'ai la tête. Oui, pas la tienne. Et moi la mienne. Oui, enfin, on a chacun un autre, quoi. L'essentiel, c'est de pas la tête. Ah, surtout pas. À propos, tu as pensé à la femme de ménage? Quoi, la femme de ménage? Oui, justement, il me disait que... Elle pourrait entendre. Oui, quand on va manger, boire, rire. Et alors? Pour elle, ça pourrait paraître un peu triste. Oui, de laisser dîner. Oui, sur un coin de table. Oui, dans la cuisine, toute seule, surtout pour une fille. Qui est pas pour le métier qui est fait. Oh, et c'est vous qui avez eu cette idée-là? Non, c'est lui. Et bien alors allez la mettre. Eh bien merci.
habiller ta nièce. Tu lui offres une veste. Mais tout simplement parce qu'il est son amant. Mais j'avais l'œil. Et il t'a demandé de me faire croire que ta nièce était ta maîtresse pour que je ne me doute pas qu'elle est la sienne. Mais j'avais l'œil. Oh, arrête, veux-tu? Si c'est pas ça, pourquoi est-ce que ta nièce est venue ici avec toi? Bah, j'ai pensé que ça lui fallait bien prendre l'air. Oh, est-ce qu'elle n'attrape pas froid, tu as demandé à Bernard de lui offrir un manteau. Je suis aux apparences. Oh, tais-toi. Tu es encore plus menteur que lui. Et je ne parle pas de ta nièce, hein, parce que celle-là, dans le genre, c'est une grande artiste. Oui, j'ai bon espoir. Je pense qu'elle aura une très très belle, une très belle carrière. Ah, dans la galanterie, ça sûrement, oui. Voilà, ça y est, je suis prêt. Bien. Eh ben alors, finissons-en avec ce dîner. Mettons-moi table. Ah ben, on pourrait peut-être attendre les autres, non, parce que... Voilà. C'est drôle, hein? Hein? Oui, c'est très drôle, hein? Oui. Elle a mis sa panoplie, hein? Tu es resté à Paris? Non. Ah oui, mais ça, c'est une soirée. Oui, elle a mis mon costume de théâtre, hein? Pour le dîner? Oui, voilà. Oui, mais c'est très bien, hein? Puis attendez. Ah, mais je veux voir que ça vous plaise. C'est amusant, hein? Et puis attendez, c'est comme. C'est des trucs, hein? Oh, pardon, tu veux le truc, hein? Ah, si, c'est beau, les trucs. Comment ça, pas de trucs? Mais si, t'as des trucs! Ah, bah, pourquoi? Est-ce que vous avez déjà vu une idiote?
Eh bien, alors, je vais vous aider. Si cette idiote se trouvait nez à nez avec la maîtresse de son mari. Ah, mais alors, attendez, il faut que je vous dise. Oui, dites-moi. Dites-moi l'attitude que je devrais avoir. C'est-à-dire que c'est très gênant. Quoi donc? Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que vous me parliez à cette franchise. Oh, ben écoutez, c'est inutile de tourner autour du pot, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bon, alors, d'après vous, comment est-ce que je devrais réagir? Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement délicat. Quoi donc? Mettez-vous à ma place. Ah ben non, justement, c'est moi qui vous demande de vous mettre à la mienne. Oui, non, enfin, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, je n'aurais pas dû venir. Ben qu'est-ce que ça changerait? Eh bien, je me retrouverais pas comme ça devant vous, dans cette situation impossible. Eh ben, essayez d'imaginer que ce n'est pas vous. Pas moi? Bah oui, ce n'est pas vous qui seriez là si l'agence m'avait envoyé une autre femme de ménage. Une autre femme de ménage? Ben oui, alors c'est à l'autre que j'aurais posé ma question. Laquelle? Si vous étiez moi, qu'est-ce que vous feriez vis-à-vis de la nièce de Robert? De la nièce de Robert? Ah ben oui, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant. Eh bien, Brigitte, celle qui est là, eh bien, c'est sa nièce de Robert? Oui! Mais elle ne peut pas être sa nièce, puisque c'est sa nièce. Ah, vous avez vu comme moi qu'elle était sa maîtresse. C'est-à-dire? Eh bien non, en réalité, c'est sa nièce. La femme de ménage? Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. Elle en a tout à fait l'air. Eh bien, c'est la maîtresse de mon mari. Quoi? Oui! Mais c'est pas possible! Comment ça, pas possible? Il couche avec elle. Bernard? Enfin, je veux dire, votre mari? Et j'en ai la preuve. La preuve? Indiscutable. Oh, le salaud! Eh bien, voilà. C'est exactement la réponse que j'attendais. Ah oui, ça a l'air de faire ça à moi? À vous? Non, enfin, à vous, mais je me suis mise à votre place, alors je dis à moi, comme si c'était vous. Oh, ça a l'air quel salaud! Oui, c'est très gentil à vous de participer à ce point-là, mais calmez-vous, hein. Me calmer? Oui, oui, pardon. Enfin, si je m'énerve, c'est pour vous, parce qu'enfin, il vous trompe, il ne faudrait quand même pas l'oublier. Mais je ne pense qu'à ça! Alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? À mon avis, et je vous parle comme si c'était moi. Ben oui! Eh bien, faites à votre mari ce qu'il vous a fait. Vous voulez dire? Oui. Si ça ne répare pas les dégâts, au moins, ça compensera, et en vous vengeant, vous vengerez toutes les idiotes de la terre. Ben, c'est-à-dire que, entre nous, hein, c'est déjà fait. Non! Je me suis déjà vengée par anticipation. Ah oui? Ah bah alors, en effet. Enfin, ce n'est pas parce que vous avez pris un peu d'avance que votre mari ne doit pas supporter les conséquences de ce qu'il a fait. Ah, c'est très juste, ça. Ce n'est pas parce que je le trompe que ça lui donne le droit de me tromper. Ah, mais il ne manquerait plus que ça. Ah ouais, ça serait quand même le comble. Alors, tout se passe bien? Eh bien alors, c'est tout, baigne. Ah oh, ben ça, pour baigner, ça baigne. Ah ben j'en peux aussi des tas de baigner. Oui, c'est-à-dire que je me sens mieux comme ça. C'est pas mal, non hein? Ah oui, ça tu es très 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 bien. Oui, oui, je me sens libéré. Eh ben t'as bien de la chance. Ah ben tout, après une soirée à billets, on peut se détendre un peu, ça. Dans le fond, tu as raison. Je ne vois pas pourquoi je ne me détendrai pas autant que toi. C'est tout à fait ça. Après tout, c'est un dîner entre amis, n'est-ce pas? Oui, quasiment intime. Voilà, quasiment. Alors, aucune raison de faire les manières, n'est-ce pas? Ah non, vraiment aucune. À moins que ça ne vous dérange. Moi? Ah non, pas du tout. Bon, eh ben alors... ici, c'est tout défini, tout déplié? Ah, oui, à part les fleurs et ces chaises, là. Oh, eh ben, ce problème-là, je vais le régler tout de suite. Oui, celui-là, tu pourras sûrement. Comment? Non, je vais y mettre un peu d'ordre ici. Oui. C'est pas bien compliqué. Mais enfin, je peux très bien le faire toute seule. Non, il n'en est pas question. Je vais vous aider. Oui, c'est ça.
tu es très 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 belle. Ah non, je t'en prie. Mais enfin, c'est arrangé avec la femme de ménage. On couchera dans cette chambre-là. Tu perds ton temps. Mais enfin, regarde, je ne peux pas faire mieux. Je suis déjà presque tout nu. Let's go to the boudoir, ok, dans le film cliché. Non, tu gardes ton négligé et moi, je prie en taxi. Mais enfin, tu vas pas en faire l'histoire parce que ma femme te prend pour la femme de ménage. Oh, si ce n'était que ça. Et ce n'est pas autre chose. Ah si, ta femme est au courant. Courant? Oui, elle sait tout. Tout? Mais tout quoi? Oui, tout. Elle m'a demandé les yeux dans les yeux, écoute bien. Oui. Qu'est-ce que vous feriez si vous appreniez que votre mari a une maîtresse? Quoi? Elle t'a dit ça? Oui, il n'y a pas 5 minutes. Mais c'est épouvantable! Ah oui, surtout pour toi. Mais il fallait nier! Nier? Nier quoi? Mais tout, tu t'envoies! Impossible, elle a la preuve. Quelle preuve? Ah, indiscutable, paraît-il. Et comment a-t-elle réagi quand t'as avoué? Avoué? Mais avoué quoi? Eh bien, que toi et moi... Ah, mais non, mais non, mais non, tu n'y es pas du tout. Moi, je n'y suis pour rien. Comment pour rien? Eh bien, je ne pouvais pas avouer une chose que j'ignorais avant que ta femme me l'apprenne. Mais que t'apprennes quoi? Que pour un salaud, tu es vraiment ce qui s'appelle un salaud! Non, vraiment, mon petit bijou, vraiment, je ne comprends pas. Oh, décidément, tu as tous les culots! Eh bien, figure-toi que moi aussi, je sais que tu couches avec ta nièce. Avec sa nièce? Oui. Mais quelle nièce? Quelle nièce? Mais la seule, l'unique, celle de ton copain. Non, enfin, premièrement, je ne savais pas qu'il avait une nièce, et deuxièmement, je ne la connais pas. Qui est là en cuisine. Ah, tu parles de la femme de ménage? Non, de ta maîtresse. Mais enfin, celui dit que je ne peux pas être l'amant de la femme de ménage. Ah non, ça suffit, elle n'est pas plus femme de ménage chez moi. Il n'y a pas de femme de ménage, il n'y en a jamais eu. Il n'y a que sa nièce et ta maîtresse. La Brigitte qui est là? Celle-là même. Non, non, attends. Tu veux dire que ma femme ne sait pas que toi et moi... Oh non, ça nous deux, ça ne peut même pas l'effleurer. Ah, bah, c'est vraiment un truc beau, ça. Oui, mais rien ne te dit que je vais pas donner un coup de pied dans ce pot pour le faire valser. Oh, bah, je ne vois pas l'intérêt. Et mon amour propre, qu'est-ce que tu en fais? Et si tu persistes à nier que cette fille est ta maîtresse? Mais oui, parce que c'est grotesque. Et bien dans 5 minutes, ta femme saura ce que moi je suis pour toi. Oui, bon, d'accord, d'accord. La femme de ménage, c'est ma maîtresse. Tu couches avec la nièce en père. Tu y tiens? Absolument. Oui, bon, d'accord, d'accord, d'accord. J'avoue. Mais tu sais, ce n'est qu'une passage. Bon, c'est facile, ça. Alors voilà, sans que n'importe qui a pris tout partout, excusez-moi, c'est une erreur. Enfin, quand même, je ne mérite pas ça. Ah bah bien sûr, évidemment, hein, aux hommes tout est permis, aux femmes rien du tout. Parfaitement. Pour une... Mais enfin, si c'était vrai, je ne traînerais jamais de mon groupe venir. Oui, en tout cas, vrai ou faux. Ta femme est persuadée que c'est vrai. Et moi, dans tout ça, j'ai quand même eu un prix de consolation. Un prix de? Oui, c'est superbe. Ta femme a un amant. Quoi? Elle a un amant. Tu te fous de moi? Mais, dis-moi que c'est pas vrai. Que je rêve. C'est pas possible. Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Mais c'est ça. Je devrais ouvrir. Enfin, qu'est-ce que ça peut bien faire? Après tout, tu la trompes avec moi, tu la trompes avec l'autre. Ouais, ce n'est pas pareil. Ah bah ça c'est sûr. Ah, rien n'est jamais pareil quand c'est toi que ça concerne. Mais, parfaitement. J'ai ma dignité. Tu t'es bien foutu de celle des autres. Hein. Mais vraiment, je ne méritais pas ça. Eh bien, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Enfin, hein, aux hommes, tout est permis et les femmes... Mon amour, écoute. Vraiment, je vais prendre ma femme à un amant. Tu pourrais être un peu plus gentil avec moi. Hein? Franchement. Voilà. Ah, te voilà. Oui, tu vois, j'ai fait comme toi. Je me suis mise à l'aise. Oui, je vois. Très, très à l'aise. Ah, mais tu as eu raison, hein. Je me sens beaucoup mieux. Mais je n'en doute pas. C'est très joli. Oui, n'est-ce pas? Je trouve aussi. C'est la tête de mon mari. Ah, c'est vous qui... Oui, c'est moi qui... Une pure merveille. Qui ça? Oh, pas vous avez seul, hein? Oh. Il a une musicalité admirable. Je me suis crue au festival de Salzbourg. Oh, un virtuose, hein. Alors, je me suis laissée bercer par ses rythmes. Et puis, j'en ai profité pour m'occuper un peu du reste, hein. Oh, mais vous êtes une vraie petite femme d'intérieur, c'est joie. Oui, maintenant, vous restez le carrelage. Le barrière vous en empêche. Non, je vous l'ai.
Eh bien, alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Ah, quand on ne sait pas qu'on doit le faire. Eh bien, maintenant, vous le savez. Bon, bon, ben, je vais le faire, hein, parce que comment on fait son lion, vous connaissez les paroles, hein. Inutile de tout changer. Bon, et toi, tu devrais t'occuper des alcools. Oui, pourquoi t'as du mal à digérer? Hein? Non, au dîner, ça va. Eh bien, moi, je crois que je vais commencer à faire mon lit. Oui, c'est ça. Moi, je vais vous chercher des oreillers, hein. Dino ! Oui ? Il faut que je te parle ! Ah ! Je vois que tu t'es mis aussi à ton aise ! Eh ben tu vois, je me sens bien comme ça. Oui. Tu veux boire quelque chose ? Oui, pourquoi ? Ça ! Oui, merci. Ah. Alors, dans l'ensemble, tu vas comme tu veux ? Dans l'ensemble ? Oui. Ah bon ? À part quelques détails. Ah, il y a des détails qui... Oui, qui vont moins bien. Qui vont même beaucoup moins bien. Qui vont même pas du tout. Si je peux être utile à quoi que ce soit. Oui, je sais que tu sais faire face aux téléphones. Je dis ça juste pour apporter ma petite contribution, quoi. Dans la mesure de mes moyens bien modestes. Oh, mais... Tu, justement, tu vas pouvoir profiter de tes moyens et de m'aider. Bah, c'est avec plaisir. Enfin, si je peux. Oh, tu vas pouvoir. Alors... Si tu apprenais que ta femme a un amant. Voyons. Oui, qu'est-ce que c'est que cette idée? Ah, bah, tu n'as pas terminé. Non, non, bien sûr. Mais je te préviens, ça ne se passera pas comme ça. Non, bien sûr. Mais ça ne sert à pas de me dire. Hein? Non, bien sûr, enfin, je veux dire. Mais c'est je suis consterné. Oui, bah, pas par quoi. Non, non, bien sûr, enfin, je veux dire, je suis consterné. Mais ça sert à quoi de me dire? Hein? À quoi? Ce qui est fait, est fait. Non, non, bien sûr, enfin, je veux dire, si tu pouvais éviter de hausser le ton... Hausser le ton? Bah, je dis d'un... Bah, juste pour que tu arrives à te maîtriser, quoi. Ce n'est pas la peine de t'emballer, quoi. Oui, mais j'ai du mal, beaucoup de mal. Eh bien, arrête de t'énerver, ne t'énerve pas. Oui, mais il y a trop, c'est trop. Comment tu dis de te maîtriser? Mais j'ai du mal, beaucoup de mal. D'ailleurs, je me sens que ça, rien. Oui, bah, si tu pensais à autre chose. À autre chose. Ah, mais ce que je viens d'apprendre, mais tu es malade. Oh, tiens. Je viens, ça me fait penser, avec la vague. Ça comprime à l'intérieur de moi comme une grande vague. Oui, bah, oui. Si tu pensais à autre chose. Non. D'ailleurs, je vois qu'elle va tout balayer sur son passage. Elle va tout balayer. D'ailleurs, je vois l'horizon, mon point qui monte sur sa gueule, avec toutes les dents qui sont. Oh non, non, tu sais, les dents, ça se voit quand on les voit plus. Oui, t'as raison. Alors, je laisse tomber les dents, sans les laisser tomber moi-même. Oui, au moins. C'est plus raisonnable. Tiens, ça me fait penser. Je viens de lire un bouquin japonais avec des recettes à rouler par terre. Ah bon? Ouais. Des recettes spéciales mariées pour pouvoir assaisonner les saligots, c'est quoi ce que je veux dire? Non, pas du tout, non. Tiens, par exemple, sous la piquée. Pardon? Je dis sous la piquée. Ah bon? Oui. C'est le nom des longues aiguilles que les geishas se plantent dans leurs chignons. Ah oui. Et quand elles veulent se venger d'une infidélité, elles les plantent ailleurs. Ah bon, ça... Devine ! Oh non ! Et si après ce traitement, elles sont définitivement inutilisables ? Les aiguilles ? Non ! La traduction littéraire de sous la piquée, c'est... Tu ne seras plus jamais un homme. Oh non ! Non, moi je m'en fous. Ben, j'ai pas besoin. De quoi? Ben, de me moucher. Mais non, t'as qu'à te moucher. C'est le nom de la deuxième recette japonaise. Ah oui, c'est. Ah oui, sous la piquée, à côté, fait office de plaisanterie. Ah, à ce point. Quand même, l'humeur est trompée. C'est comme si derrière soi, vous voyez un homme. C'est-à-dire que... Tu vas prendre le contraire. Non, non, bien sûr, non. Eh bien, t'as qu'à te moucher. Mais le coup de poignard pour le coup de poignard. Oh non, pardon. Mais tu es fou ou quoi? Non, pardon. Eh bien, écoute ce que je dis. Oui, écoute-moi. Le mari n'attend que le saligot se penche en avant pour amasser une fleur de lotus. Mais... Pardonne-lui. Pardon. Écoute ce que je te dis, moi. J'écoute. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait des fleurs de lotus. Ça marche pas bien au ciel, mais pas crête. Et puis dans la vie, tu te baisses bien pour remonter tes chaussettes, n'est-ce pas? Ah, ça va. Eh bien, à ce moment-là, moi, je serai derrière. Pour remonter mes chaussettes. Mais non, je serai derrière.
un créole. T'as qu'à te moucher. Ça veut dire larme blanche sous la lune. Oui, c'est très très image. Oui, c'est une image. Non, je te dis des larmes. Ah, des larmes. Des larmes blanches. Ça te fait pleurer des larmes blanches puisqu'elles sont éclairées par la lune. Ah, comme ça. T'as qu'à te moucher. Et après, y'a qu'à se moucher. Voilà, y'a pas à dire en Extrême-Orient quel raffinement. Ah, ça. Alors, entre les deux, lequel tu préfères? Sous la kiki ou t'as qu'à coucher? Tu veux que je te réponde comme ça tout de suite? Non, 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 non. Rien ne presse. Je commence à me détendre. Et si, si tu pensais aux choses? À autre chose? Mais non. Ah, complètement détendu. Ah, détends-toi, 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 détends-toi. Ah. Mais, je vais te dire la suite. Une fois que tout sera réglé, si tu sous la tiquette, t'as qu'à te moucher. On n'y verra plus rien. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non. Va pas leur trouver maintenant, quand même. Oh, tu penses aux recettes du pays du Matacan? Voilà, probablement. Probablement. Et d'ailleurs, la vengeance se mange froide, même avec des baguettes. Ah, mais tu me l'as dit toi-même, ça ne changera rien. Ça ne changera rien, mais je voudrais que tu fasses le choix pour moi. Et si tu te fais prendre? Jamais la vie. Après, sous le kiki, t'as qu'à te coucher. Je me file sur ma Honda, où ma Kawasaki me perd dans les brumes de la Vénissée. Qu'est-ce qu'il disait, l'abbé? La Vénissée, ISI en trois lettres, au japonais. Ah oui, oui, c'est très très loin. Oui, c'est une image, une estampe. Alors si tu n'es pas une journée prête, je préfère réfléchir. Mais pour l'instant, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Mais pourquoi? Tu vois, je préférerais ne pas la revoir. Mais qui ça? Pas ta femme. Mais je t'interdis de lui dire que je souffre ce soir. Non, tu sais, je m'exerce déjà à être un tombeau. Eh bien, continue. Parce que je ne veux pas le rater, je veux qu'il aille à la santé. Qui ça? Eh bien, le Saïgo, une fois que je l'aurai sous la main. Ah bon? Ah, parce que tu... Tu ne sais pas qui c'est? Ben bien sûr que non! Sinon il serait légendaire! Mais aucune prise! Ah ça, aucune! Ah! Ah je respire! Comment? Non, je veux dire... J'aspire à ce que tu évites le pire! Mais je veux le débusquer! Mais alors si tu ne sais pas qui c'est? Tu n'es pas sûr qu'il existe? Comment ça, pas sûr? C'est Jacqueline qui vient de le raconter à Brigitte, qui me l'a répété! Ah bah ça alors? Ça ne te fera pas plus que ça. Quoi? J'apprends que ma femme a un amant, et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est ça alors. C'est-à-dire que je suis tellement sidéré que je commence juste à réaliser que... T'as qu'à te moucher. Pas besoin. Je dis t'as qu'à te moucher, il se fait chiquer, il me complète comme son salopard. Ah, enfin tu te réveilles. Et alors, on a pas de pitié. T'as raison. Pas de pitié. Et d'autant plus que cette histoire a tapé sur le système à Jacqueline. À Jacqueline? Oui. Elle prétend que la femme de ménage, c'est ta nièce. Ma nièce? Textuelle. Mais tu plaisantes? Est-ce que j'en ai l'air? Non, évidemment. Et que je couche avec elle. Toi? Moi? Avec ma nièce? Non, avec la femme de ménage. Ah, oh, ça alors. Voilà. Ah. J'ai bien réfléchi. Oui? Oui. À quoi? Eh bien, je trouve logique de te dire ce que je sais sur toi. Sur moi? Brigitte? Oui. Voilà. J'ai parlé avec elle. Et c'est elle qui m'a conseillé de faire éclater la vérité. N'est-ce pas? Oui, oui, la vérité, il n'y a rien de tel. Bien. Et donc, je tiens à te dire que je sais que tu es son amant. C'est toi qui lui as dit ça? Moi? Mais tu rêves? Alors c'est toi? Tu vois la femme de ménage? Hein? La femme de ménage? Oui, moi. Ah, tu es vous? Vous êtes la... Bah oui, la femme de ménage. Ah, vous êtes la femme de ménage? Ah bah oui, tant mieux, j'ai mieux ça. Mais non, parce que, enfant, j'ai cru que tu croyais que j'étais l'amant de la femme de ménage. Oui. Alors, là, je me suis dit, là,
pas par la rumeur publique. Seulement, je ne sais pas qui c'est, hein. Non, il ne sait rien. Oh, je vais te le dire. Ah bon? Ça fait. Alors, qui est-ce? Alors. Lui. Oh, le dureur. Ta femme plaisante, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Puisque vous vous rendez compte de ce que vous dites. Est-ce que tu te rends compte? Non, pas très bien encore. Mais si j'ai des précisions, je sens que ça va venir. Ah oh, bah je crois qu'il va s'assumer, tonton. Oh, c'est un accident de parcours. Ça fait partie des aléas de la vie sexuelle. Mais tais-toi donc. Alors, voilà. Si tu confirmes ce qu'il dit, tu es l'ami le plus faucheux et le plus saligo que je connais de la vie. Alors, t'as qu'à coucher. Pardon. Un verre de terre. Ah, pas où ça? Mais tais-toi donc. Ah, tu ne vois rien. À côté de toi. Ah, tu ne vois rien. Mais tais-toi donc. À côté de toi. Je suis un verre de terre. Oh, toi, un verre, ton compte. Tiens, on n'a pas cherché. Ah, si. Mais qui peut bien venir nous embêter à cette heure-ci? Ça doit être le voisin qui vient chercher une gerbaise pour sa suite. Oh, moi je l'expédie, hein. Oui, ça va, Ange. Mais t'en as pour un moment, parce que c'est un vrai coup de colle. Oh, bah le hasard va très peu pour moi, hein. Et quant à toi, ça va te donner le temps de choisir. Peu de choisir? Oui, entre sous la kéké ou ta quatre mouchée. Oh non! Allez, avec un peu de saké pour te donner le moral. Oui, mais c'est réparé. Réparé? Oui, je sors de chez eux. Mais de chez qui? De chez les Poncelets. Les Poncelets? Oui, vos voisins. Allez! Oui, c'était le lavabo du premier. Du premier? Mais vous comprenez, comme ils ne viennent pas souvent, enfin, les joints sèchent. Et alors, forcément, ça finit par claquer. Ah. Et alors, évidemment, les fuites, comme par hasard, c'est toujours la nuit que ça fuit. Ah oui, non, je ne savais pas. Enfin bref, c'est comme ça. Comme ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux, au rez-de-chaussée, ils montaient les fenêtres complètement paniqués. Vous vous rendez compte? Paniqués pour avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Deux gens de la ville, quoi. Oui. Enfin bref, ni une ni deux, j'ai sauté du lit directement dans ma camionnette. Et c'est pour ça que je m'excuse de me présenter comme ça devant vous. Mais non. Eh bien, je fais ça pour dépanner, hein. Ah oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas pompier. Ah non! Non, en fait, c'est moi qui m'occupe du jardin des Poncelets. Ah, c'est ça! Oui, je leur mets donc des impatiences au printemps, et puis donc vers octobre, je leur mets des pensées. Comme ça, ils peuvent venir n'importe quand, et ils ont toujours des fleuris, n'est-ce pas? Oui, je comprends bien. Surtout que ce sont des gens très bien, et que je leur rends service dès que je peux. Ne sont pas à part de Pascal. De Pascal? Oui, ils ont toujours un petit billet de 500 pour arranger le coup. Alors vous, comme ça, vous comprenez, tout le monde est content. Ah, oui, je comprends très bien, oui, effectivement, mais... Alors, vous venez, pourquoi? Eh bien, je passais devant chez vous en rentrant chez les Poncelets et j'ai vu qu'il y avait de la lumière. Bah oui, et alors? Alors, je me suis dit que s'il y avait de la lumière, c'est que vous ne dormiez pas. Oui, bien sûr. Ou à moins que vous ne vous soyez endormi en laissant la lumière allumée. Oui, bien sûr. Donc, c'est des choses qui arrivent. Oui, bien sûr. Bref, étant si près d'elle, je n'ai pas pu me retenir de sonner juste pour lui faire un petit bisou. Un bisou? Oui, comme je ne la verrai pas d'ici demain soir, sans vouloir vous déranger. Ah non? Oui, parce que... elle m'a dit qu'elle venait passer la nuit ici, alors sans vouloir vous déranger, juste un petit bisou et je m'en vais. Bah oui, mais un bisou à qui? Eh bien, à Brigitte. Brigitte? Oui, vous avez bien pris une intérimaire extra, n'est-ce pas? Oh, vous parlez de la femme de ménage? Oui, elle est bien ici. Ah, et c'est à elle que vous voulez faire un bisou? Mais oui, à qui d'autre je voudrais faire un petit bisou si ce n'est pas à ma petite femme. Ah, vous êtes...
Son mari, oui. C'est pour ça que je suis sûr qu'un petit bisou lui fera certainement. Je vais la chercher. Sans pouvoir vous présenter. Brigitte. Oui. Venez, j'ai une surprise pour vous. Excusez-moi pour dire mon nom. Mais non, mais. Oh, je suis sûr qu'elle sera tellement contente. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Regardez qui est là. Oui, qui est là? Ben oui. Le voilà. Le voilà. Bah oui. Enfin, la voilà. La voilà quoi? Bah quoi, la voilà quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Moi? Bah oui. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Oh, aussi. Allez-y. Bah où ça? Frappez! 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 Et on vous oubliera! J'ai déjà entendu ça quelque part. Oui!
eh ben ça marche toujours. Bien, et nous, non, on a toujours besoin de connaître la plombie. Allez. Excusez-moi, je suis tellement perturbé, j'avais oublié mon chapeau. Bon, eh bien, excusez-moi encore pour le dérangement. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh, oh là, je suis plus belle, hein. Excusez-moi. C'est bizarre, mais j'ai comme une drôle de sensation. Deux sensations. Oui. Oui, cette Brigitte que vous avez là, il me semble que je la sens. Absolument impossible. Ah, ça, impossible. Tant sur vous, j'ai senti le jasmin. Ici, c'est le seringat. Et sur vous, j'ai repéré le santal. Et sur vous, ici, c'est la bergamote. Mais, vous êtes à la chasse. Oh, vous avez dit, n'est-ce pas, jardinier. Mais il flotte ici un numéro 5 de Chanel, qui est le parfum de ma pépite. Dites donc. Oh, c'est bien ça, tu es là. Un peu qu'on se connaît. Un peu qu'on se connaît. Ah bah oui, un peu, hein. Ne dis rien. Je sais tout. Tout? C'est ton amant. C'est ton amant. Avec qui je vois, madame, que vous avez,
vous aimez vraiment le sens de la plaisanterie. Je n'aime pas. J'adore. Bon, vous pouvez vous laisser, hein. Vous avez encore besoin de moi? Pour la nuit, sûrement plus, non? Ah bah, comme une nuit sans lui, c'est toujours dur à passer. Surtout pour elle. Alors tu peux m'emmener? Bien sûr. Ah bah, c'est une bonne idée, ça. Ah bah, j'en ai pour une seconde, hein. Ben oui, parce que moi, il faut que je sois levé à 5 heures pour mes semis. Ah, tu es toujours dans les semis? Eh oui, toujours. Et c'est qu'elle est fragile, la nature. Et c'est qu'il faut faire attention où on met les pieds pour ne pas la chambrer. C'est comme les gens. Alors, ne m'en veuillez pas si je vous quitte si vite, mais moi, j'ai mes semis. Allez, excusez-moi encore pour ce dérangement. Mais non, c'était un plaisir de vous avoir. Il a raté sa vocation, cet homme-là. Oh, tu trouves? Ah oui, il aurait dû être horloger. Horloger? Mm-hmm. C'est un as pour remettre les pendules à l'heure. Oh, il n'est pas mal non plus en jardinier. Il a le geste auguste du semeur de... Ah, maintenant qu'il a mis ses pieds dans nos semis, ça devrait nous porter bonheur. Ah, ça sûrement, oui. Ah bah comme je suis pressée, inutile de faire nos comptes maintenant. Mais si, si vous voulez. Mais non, comme Pascal doit passer par ici, envoyez donc moi à l'agence. Eh oui, d'accord. Avec le tout. Mais oui. Bon, alors messieurs dames, et encore merci pour la langue Goustin. Elle était extra, comme moi. Alors comme il ne se croise pas, je l'avais mis dans ma valise. Et d'ailleurs, tu peux peut-être te faire livrer un...
jardinier des Poncelets était une seule et même personne. Ah bah ça y a pas de doute. Ah non, ça y a pas de doute. Mais alors, qui est l'autre? L'autre? Oui, celle qui est là. Celle qui est là? Qui est là? J'ai l'impression que vous l'avez oublié. Oh non, 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 non. Eh bien alors, dites-moi. Eh bien voilà, c'est... Nathalie.
le rôle de mon poupon, c'était Michel. Alors, au décor, Martine, Rémi et Michel. Technique son lumière, Dominique, Philippe, Pascal et Jean. Maquillage, coiffure, Françoise, Evelyne, Cécile et Laure. Et costume, donc, Emmanuel. Et les souffleuses, Annick, Gisèle, Chantal et Laetitia. Ah,